Yeah. Rastafari. Yeah. Rastafari. Le Seigneur des Seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Judas, le Shiloh, le Christ noir de l'âme. Yeah. Rastafari. Rasta. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Comme une pétrie qui couvre des œufs qu'elle n'a point fondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas? Les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? Et qui outrage le bon nom Rasta que vous portez? Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. Mais maintenant vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Jah, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Jah qui me tente ». Car Jah ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Jah. Rasta. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Jah lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur Jah est mon aide. Sachez que dans les derniers jours, des temps difficiles, car les hommes seront égoïs, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, révèrent à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Jah, et à l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, qui en est parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons, et qui capturent des femmes d'un esprit ferme et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours
ne pouvant jamais arriver à la connaissance de Jah, à la connaissance de la vie. Jah, what the fuck? Rasta, tu es la passion de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent de la CIA et d'un peu plus. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jah, Rastafara, Selassie seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Rasta, toute écriture est inspirée de Jah est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Jah soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Jah afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux saints, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Jah afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Rasta, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Jah. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Approchez-vous de Jah et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, nous nous réjouirons. Lorsque nous soyons faibles, lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Au reste, grâce, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix, il sera avec vous. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Je dis marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car ce n'est rien d'être un circoncis ou circoncis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Rasta, si vous saviez ce que signifie de prendre plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Heureux l'homme qui place à l'éternel Jah, Rastafara, Selassie, sa confiance et qui ne se tourne pas vers les voûtés et les menteurs. Que celui qui a l'oreille pour entendre, entende. Car tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne désires ni au repos ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre qu'il est fait de moi. Je vais faire ta volonté. Car ta loi est au fond de mon cœur. Dans notre place ici, dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Là, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta vie. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Car elle est tombée. La grande Babylone est tombée. Pieds de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa rue. Car c'est un temps de vengeance pour l'éternel Jah, qui va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'éternel Jah, qui coupe d'or, qui énigme toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire.
Pourtant, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Tenez du bon coup sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone. Mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuits. L'Éternel Jah manifeste la justice à notre cause. Venez et racontez dans Sion l'œuvre de l'Éternel Jah, notre Dieu. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura acquitté à cause de mon nom, Rastafara Selassie, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le ceinture et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Jah. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Jah. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Avec confiance, oh Jah, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Selassie. Que la grâce de notre Seigneur Jah Rastafara Selassie soit avec vous. Jah Rastafara Selassie. Ne poussa ne grâce. Kirmawiya Kirmawi. Manhane Anla. Yima Sagar. Kibirla Anla. Jah Rastafara Selassie.